Salut! Bon bah voilà, je viens de rentrer, je suis même pas déshabillée là, j'ai encore mon poncho. Je suis allée voir ma mère tout à l'heure, je suis allée voir mes grands-parents qui sont là quelques jours. Là je viens de rentrer donc, ce matin je vous ai filmé une vidéo, j'ai fait un peu de rangement, j'ai changé mes draps, j'ai fait une machine à laver. Faudrait que je vous montre tout ça. Donc là il me reste à faire à manger avant que mon copain rentre, il rentrera 21h20, donc là il est 19h20, j'ai encore 2 heures, ça va, donc il faut que je fasse à manger. Je pense que je vais vous amener avec vous, je vais faire à manger avec vous. Donc faire à manger, il faut que je fasse la cage du lapin encore, il me regarde là, et que je donne à manger au chien, voilà. Donc on va faire ça ensemble et puis voilà, à toutes! Alors il y a un truc qui est sûr, c'est si on laisse la porte de la chambre ouverte, ça fait une heureuse. Minette. Oh là là. T'as l'air très fatiguée. Tu veux manger? Tu veux manger? Allez, viens, on va manger. Voilà. Bon bah allez, je vais faire une soupe au Thermomix. Je pense que je vais faire une soupe de pommes de terre poireaux. Je crois que c'est ma préférée. J'adore la soupe de pommes de terre poireaux au Thermomix. Donc on a décongelé du poulet et je pense que je vais faire mon copain avec le poulet. Il reste des pommes de terre et du chou qu'on a cuit. Mais je pense pas qu'il voudra manger ça. J'ai une de ses têtes. Donc je vais me laver les mains et je me mets au fourneau. Je vais mettre mon beau tablier que j'ai eu à Noël. Je suis un grand chef. Allez. Ah oui, ma mère m'a donné des pancakes aussi. Elle a fait des pancakes ce matin. Alors, on m'a donné des pancakes pour mon copain demain matin. Sachant qu'en plus, on a fait des crêpes hier soir, on a mangé une partie crêpe. Donc, on va finir comme des gros sacs. Donc là, on est parti pour 20 minutes de cuisson à 100 degrés, vitesse 1, soupe poireau. Moi, je ne vais pas mettre de blé, j'en ai pas. Je vais juste faire soupe poireau, pommes de terre. Voilà. Donc, je vais mettre du sel, un petit peu de poivre. J'ai des épices comme ça, spéciales poulet. On les avait achetés en Grèce quand on est parti en vacances. Et du coup, dedans, je vais mettre un petit peu de bouillon de volaille que j'ai fait. C'est celui que j'ai mis dans la soupe tout à l'heure. Voilà. Du coup, j'ai mis de l'ail aussi. J'adore l'ail au four. Comme ça, ça va cuire en même temps que le poulet. Ça sera trop bon. Donc, je ne vais pas y faire cuire maintenant parce que sinon, ça va être prêt avant qu'il arrive. Donc, je vais y faire cuire. Je vais calculer pour faire en sorte que ce soit cuit quand il arrive. Bon voilà, la cage c'est fait. Hop. Maintenant faut que je vous donne à manger. Et pendant ce temps, monsieur se promène. Hop. Ça c'est un jouet que je lui avais acheté avec un grelot et tout. Il n'a jamais joué avec. Alors ce que je fais des fois, c'est que je mets du foin dedans, comme ça ben, il est obligé d'aller chercher et fouiner entre les barreaux pour récupérer son foin. Donc c'est un petit jouet comme ça. Et là je pense qu'on va couper les griffes, parce que les griffes sont un petit peu longues. Mon lapin je le laisse tout le temps, enfin tout le temps, je le laisse de temps en temps, il se promène dans la maison, il est trop content. Et puis il s'entend bien avec les chats, donc ça va. T'es content? En vrai, moi j'ai eu des lapins, j'en ai plusieurs avant lui. Et j'ai toujours eu des lapins quand même gentils, calmes. Je les laissais se promener dans la cour, le chien courait après. Mais franchement, lui c'est le premier mâle que j'ai. Et vraiment, il est encore, mais... c'est une crème quoi. Déjà les autres étaient vraiment des crèmes, alors lui c'est la crème des crèmes. Un pompon. Si, si. Il est vraiment trop sage. Il est doux, il est doux. C'est un lapin bélier pour ceux qui ne savent pas. Il a des grandes oreilles. Hein? Et là je me dis, il a déjà... Oui, regardez comment elle dorme. Donc Kaya va avoir 5 ans et le lapin, il me semble, je l'ai eu un an après, je crois. Ouais, il a 4 ans. Vous voyez, le chien, le chat à côté, j'en ai rien fait. Ah, ça c'est ma soupe qui m'appelle. On va aller. C'est l'heure. Bon bah, je suis assise par terre. J'ai essayé de couper les griffes du lapin, mais il bouge trop, c'est impossible. Donc je vais attendre que Quentin et Roche. Je pense qu'on fera ça soit. Je pense, ouais, non, je pense pas ce soir, mais peut-être plus demain. À deux, parce que là c'est pas possible. En fait, le lapin il se débat et il bouge, il saute. Donc c'est un coup, est-ce que je lui accroche la griffe et donc. Comme ça c'est pas possible, on peut pas rester sur ça. S'il s'en va lui et comment je reste ici, je vais faire comment en fait avec toutes ces questions, je vais être là. Oh. Non mais il faut que je fasse quelque chose. Moi je quand il faut tu vois partir là. Bon bah voilà, la journée est finie. Je les ai ramenés avec moi pendant mon ménage, mon nettoyage. Pendant ma cuisine de ce soir, bon, c'était rapide ce soir. Je vais vous faire le montage pour que vous puissiez voir la vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous plaira. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, ça me ferait vraiment plaisir et ça me donnerait un petit coup de pouce. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse. Ciao.